Salutations, communauté Sortez Golfée. On est au club de golf de Actonville, membre de la carte Sortez Golfée, qui est une présentation de Ballard Direct. Aujourd'hui, on vient faire deux affaires. On vient jouer au golf, on vient s'amuser. Puis je viens surtout vous présenter la personne qui va s'occuper du segment Sortez Golfée les filles pendant l'émission qu'on va vous présenter à TVA Sport plus tard cet été, en juillet. Ouais, Sortez Golfée sur la route, ça revient à la télé. Et le segment Sortez Golfée les filles va être confié à quelqu'un que vous connaissez déjà si vous êtes déjà à l'écoute de TVA Sport. On est au 4 du Rennes, le début du Amen Corner ici à Actonville. 193 verges, on est en haut, faire 5, on va essayer de mettre ça proche. Non! Ce sera un souvenir. Il est plein d'avance, c'est pas besoin. Numéro 7 du Rennes, un trou que j'adore ici à Actonville. Je frappe ma balle, puis après ça, je vais aller rejoindre un partenaire de jeu pour aujourd'hui qui m'attend au T-Box juste en bas. Plaisir de vous présenter la nouvelle animatrice des segments Sortez Golfer les filles pour notre émission Sortez Golfer sur la route. Justine ouais. Saint-Martin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, content. Ça va bien que ma drive, mais sinon... Hey, c'est pas si pire, c'est la première de la saison. C'est l'affaire. Bienvenue dans l'équipe de Sortez Golfer, tellement content que tu aies accepté. Vraiment contente, merci d'avoir pensé à moi. Puis tu sais, quand je dis Sortez Golfer les filles, moi je trouve que ça te représente. T'es une nouvelle golfeuse? Oui, j'ai commencé au début de la pandémie. Pour vrai? Oui, on travaillait plus. Donc, on s'est trouvé des passions, on a fait du pain, puis on est allé jouer au golf. Es-tu meilleur pour faire du pain ou jouer au golf? Dépend des jours. Dépend des jours. Fait qu'on va jouer le trou ici, le 7 du Rennes, on va jaser un peu, on va apprendre à te connaître, mais ce qui est important de dire, c'est qu'en juillet, tu vas débarquer dans Sortez Golfer sur la route pour le segment Sortez Golfer les filles. Oui, j'ai bien hâte. Très cool. Let's go, on va aller voir ta balle. Une nouvelle golfeuse. Yes. C'est quoi ta relation avec le sport, mettons? Je te dirais, en tant que débutante, je pense que je vais me conserver ce titre-là longtemps. Oh, ouais. Parce que ça me permet de dire ou d'expliquer pourquoi j'ai une mauvaise journée. OK. Donc, ça m'enlève un peu la pression d'excellence que je m'impose un peu dans la vie de tous les jours. Ouais? T'es ouais. compétitive de nature? Ouais. Je suis impatiente. OK. J'aimerais ça être bonne à tous les jours. On est avertis. Ouais. Fait que je te dirais... débutante, capable du meilleur comme du pire, okay. mais d'agréable compagnie pour jouer au golf. Donc, mais c'est-tu la compétition, le challenge ou le social qui t'a amené dans le golf? Je pense au départ le social. Ouais. Ouais, ouais. Puis c'est ça que j'aime. Tu peux jouer un peu avec n'importe qui. Je peux aller jouer avec mes parents. Je peux jouer avec des amis. J'ai rencontré plein de monde aussi en jouant au golf. C'est quoi la partie de ta game que tu es le plus confiante, mettons? Ma drive. Ta drive? Le plaisir. Le plaisir. Elle est confiante. La seule portion que je contrôle. La seule. C'est une excellente réponse. Le max est en haut. Moi, je suis en cage parce qu'il faut que je me protège. Mais c'est le début de la saison, comme il dit. Mais ça, c'est une bonne technique, moi. Je commence très faible, puis là, les adversaires pensent que ça va être facile. Oh yeah! Tu m'en vas-tu dans l'eau, moi aussi? Oui! Parce que oui! On va aller voir! Troisième trou, troisième balle de perdu. On va aller voir, lâche-moi.
Mais quand tu as commencé, pour vrai. Là. Tu t'es équipé, tu as pris des cours. Ouais. Tu sais, quand tu fais de quoi, tu le fais pas à moitié. Là. Non. Mais aussi, j'avais du temps. Tu sais, on a un horaire un peu atypique. Ah oh, non, c'est ça. C'est la première fois de ma vie que je travaillais pas pendant tout un été. C'est vrai. J'habite à quelques coins de rue du terrain. Je m'en allais à pied. Tout était aligné pour que ça fonctionne. Puis j'ai rencontré mon ami Marc-Pierre qui, elle aussi, commençait. Oui, qu'on va voir d'ailleurs dans la série Sortez golfer les filles. Oui. Puis c'est spécial parce que justement, les deux, on vient de Drummondville, on savait un peu de vue qui on était. La blonde, la fille de TVA, ouais, la fille de la télé. Puis les deux, on a vu qu'on commençait à jouer au golf, on s'est écrit, puis on a commencé à jouer. Fait qu'à chaque semaine, on y allait deux, trois fois. On a embarqué dans la petite ligue de bière. Puis on a commencé à jouer comme ça. C'est cool, ça. Fait que c'est aussi un peu grâce à elle, parce qu'y aller toute seule, ouais, sûrement que j'irais moins souvent. Là. Mais tu sais, puis la philosophie de sortir golfer les filles, c'était vraiment ça. Puis c'est exactement pour ça, quand je t'ai écrit, je dis, Justine, je suis convaincu que tu vas avoir du fun à faire ça, parce que l'année passée, on a présenté des filles que c'était ça. Là, c'était des filles dans la trentaine. Commencent à jouer au golf là, puis ils font comme, hey, j'aime ça, mais je veux jouer, je veux apprendre, je veux en faire plus. Puis c'est cool parce qu'il y a beaucoup d'ouverture sur les terrains. Tu sais, tu me parlais de ta ligue de bière, là, au Harriet, à Drummond, là. Vous avez été accueillis là par des gens qui sont là depuis longtemps, puis ils ont fait, hey, let's go, puis venez-vous-en. Oui, puis c'est des jeunes golfeurs, mais ultra talentueux, fait qu'ils prenaient le temps aussi de corriger notre swing, corriger nos coups, m'indiquer où poter, puis ça l'aide vraiment beaucoup au départ, plus qu'un cours, parce que je pense qu'elle est partie, hein? Ouais, je regardais ça, là. Ce qui est le fun, là, c'est que ta balle, elle tombe là, puis elle finit là-bas. Ouais, ben c'est ça, peut-être qu'on peut aller la chercher. On va la chercher au vert, regarde, on va frapper de ça, qu'est-ce que tu veux. Elle est perdue, là. Finish, la pause, top. Pas trop pire. Ben écoute, tu contrôles pas la qualité du coup, mais la swing. Oui. La swing, oui. Ah! Oh Max, tu filmais-tu? Oh yeah. Quel shot! Avec la magie du montage, là, tout le monde pense que c'est mon premier coup. Non, c'est vraiment mon premier coup. Mais tu sais, je parlais de joie et de déception tantôt. Je pourrais être en train de jouer la pire partie de ma vie. Tu fais ça, puis là, bang, le sourire, tout de suite. T'es comme, OK, on part, trois autres parties. Ouais, let's go. Tu viens d'oublier les 18 autres mauvais coups. Oh, regarde. Justine, merci pour la partie. Hey, merci à toi. T'as-tu un objectif de nombre de parties en tête cet été? As-tu, J'aimerais jouer minimum 2-3 games par semaine. OK, Collins. Ouais. J'ai souvent des 9 par contre. OK, non. Fait que si t'as une mauvaise journée, ça dure moins longtemps. Ouais, puis là, si ça va bien, tu peux continuer. C'est ça. Puis tu joues 18, c'est en plein ça. Merci d'avoir accepté. On va te voir à compter de juillet sur les ondes de TVA Sports, sur tes golfés sur la route. On va rencontrer des filles de la Rive-Nord de Montréal, des filles de Québec. Puis tu vas nous amener dans ton univers à Drummond. Oui, à Drummond, mes amis, ceux avec qui je joue, ceux qui m'ont fait découvrir le plaisir du golf. Fait que j'ai bien hâte de vous faire découvrir tout ça. Puis d'être avec vous pour toute la saison 2022. Très cool, merci Justine. Merci à toi. Justine Saint-Martin, là, on va aller rencontrer David Morin qui est pro en chef ici au club de golf à Actonville. Il y a un nouveau resto, il y a eu des améliorations sur le parcours, il faut absolument lui en parler. C'est vraiment une belle place ici. Moi, je suis allé chercher nos balles avant, par exemple. Oui, c'est vrai, je n'ai perdu 3. Yes, sir. Hey Dave, cheers! Merci de nous avoir reçus avec Justine aujourd'hui sur le terrain. C'est vraiment une belle place. Puis là, on est dans la nouveauté du club de golf à Actonville. Il y a un resto qui a apparu ici. Non, on avait un resto qui est vraiment réputé. Ils appellent ça la Galoche. À Actonville. À Actonville. C'est un resto-bar. Malheureusement pour eux, avant Noël, on passe au feu. Ils nous ont servi comme traiteurs durant l'année pour certains tournois. Et en fin de compte, on tombait avec un partenariat, donc ils sont ici
à l'année. Mais c'est très cool pour vous autres parce que ça va vous amener de la nouvelle business. Puis tu me disais, ça descend de Montréal, venez manger ici. Oui, ouais, vraiment. Là, t'sais, les prix sont vraiment abordables. Là, tu rajoutes l'aspect golf, tu as une belle terrasse. Ouais. Il y a beaucoup de choses ancrées que le monde pense que certains clubs de golf, tu peux pas aller prendre une bière sur la terrasse parce que tu joues pas au golf. Oui, oui, oui. Terrain est vraiment beau, c'est le fun à jouer. Puis vous êtes comme situé parfaitement à Actonville. T'sais, Justine est partie de Drummond, elle était à 20 minutes. Moi, j'étais à Sherbrooke ce matin, ça m'a pris 40. De Montréal, c'est pas trop loin non plus. Fait que j'imagine que ton green fee, ton visiteur, vient de partout. Oui, c'est ça. Puis on a même des membres qui viennent de Boucherville. Ah ouais. Parce que le prix vient que c'est moins cher. C'est sûr. Fait que on en a beaucoup des membres de Saint-Jean qui sont du lundi au vendredi ou du dimanche au jeudi. C'est une option qu'on a offert. Pour ceux qui travaillent la semaine, peuvent jouer une coupe de neuf. On a extrêmement beaucoup de membres après 3 heures, qui est un deal assez incroyable, là, à l'entour de 350 $. Tu peux jouer 7 jours à partir de 3 heures. Donc, c'est quand même... C'est très cool. Mais merci de nous avoir reçus aujourd'hui. C'était bien le fun, puis on va venir vous voir. Puis j'invite les gens qui ont la carte Sortez Golfer, même ceux qui ne l'ont pas, à venir faire un tour à Actonville cet été. Merci, Dave. Yes. C'est très bon, ça. Ça, c'est la bière de la galoche? Oui. Oh.